Qu'est-ce que tu fous? Rien. Et tu sais que le travail noir est interdit en France, hein? Ça paye plus. Voilà. Ce qui fait de ses nuits en ce moment. Bon, ça avance, j'espère. Ouais. C'est de faire ça bien. Sois pas emmerdé, surtout. Tu vas un oreiller? Non, là, ça pique un peu, mais j'arrive à dormir. Là. Je dors pas, demain je finis. Hein. Allez, bonne nuit. Hein. Eh, bonne nuit. Hein. Chauffe ma place. Ah bah t'es là? T'as dormi là cette nuit? Non. Ah bon? On m'a pas vu? Bah non. Je bourre les trous. À pleine main. Elle est bonne la farce. Une bonne farce. Je dirais Maïté qui farce la danse. Ah bah, aujourd'hui, je vais vous présenter la recette à la dame fourrée à la laine d'orange. Je suis pas bien Maïté. Hein. Non, non, faut que tu t'améliores là. Fais flipper Maïté. Grave. J'ai bientôt le ventre de Maïté. Il y a que ça, je crois. Aïe, aïe, aïe. Contre le jour, contre ci, contre là. Mais merde. Bon, on va voir quelque chose. Alors voilà, petite avancée de travaux. Du coup, j'ai, vous avez vu, j'ai commencé donc l'isolation à la laine de bois. À peu près là. À la laine de bois. Comme vous pouvez voir donc, dans les renforts, hop, 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 tous ces renforts là où j'ai pas accès, j'ai mis de la laine de roche, d'où ce que vous pouvez voir donc le pare-vapeur pour éviter tout ce qui est condensation et accumulation d'eau donc dans la laine de roche. Et là donc j'ai commencé à plaquer donc le plafond, comme vous pouvez le voir ici. Donc pour le plaquer, j'ai fixé des petits assauts ici, des petits assauts contre la carrosserie. Donc comme je vous ai montré, donc là ouais, j'ai dû plaquer en 15 mm. Donc le 15 mm pour lui faire prendre l'arrondi du véhicule, c'est une galère. Donc du coup, je vais le plaquer en 3 fois. Donc les parties latérales et le milieu pour garder le plus possible le galbe, pour garder de la hauteur au milieu, parce que du coup, en fait, on a 5 cm d'écart donc entre le milieu du véhicule et le bord juste ici, donc les renforts. Donc du coup, en plaquant en 3 fois, je vais essayer de faire des jointures les plus jolies possibles. Ça, c'est une autre histoire, on verra tout ça. Mais du coup, après quelques heures de galère, j'ai commencé à plaquer, ouais. Du coup, voilà. Donc je continue. Allez, vous allez rester avec moi, vous allez voir comme je galère. C'est bien, c'est bien.
Regardez ce qui manque. Parce que ces panneaux-là, ils sont tellement durs que la vis, elle rentre pas dedans. Du coup, je vais devoir fraiser un petit peu donc pour que la tête rentre dans le panneau, que ça fasse tout propre. Voilà. Moustique. Marche bien. Hop, ça je peux l'enlever. Attention, il y a un chef, hein. J'ai plus le droit de discuter maintenant. Il faut que je travaille. Hein. C'est grave si je veux faire un. Je t'en fous, fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Tu retardes le chantier. Il y a la caméra, du coup je me retiens pour répondre. Ah ouais, t'as bien mis, hein. Il faut que ça tienne, putain. On m'assoit dessus. Oh putain. Et tu me dis, faut remplir, moi je remplis. Hein. Excuse-moi, mademoiselle, madame. C'est la merde. C'est sur ta tête. Attention, attention. Ça vous en va? Non, c'est bon. Bon, on est pas mal. Après, je le bidouillerai. Je le bidouillerai après. Donc là, on va le faire comme ça. Bien là. Ouais, ça fait trop bien. Ça te plaît? Je pensais pas que t'allais faire aussi bien. Oh. Je pensais pas que t'allais y arriver, franchement. Non, mais je dis pas que t'es pas bon. Je ne dis pas que t'es pas bon, mais je pensais vraiment pas que t'allais y arriver. Putain. Bon, il y a un mètre de jour en haut. Ils font des baguettes d'un mètre, non? Non? Ça n'existe pas? Non, franchement, on se moque. Oh, je vais même pas saloper une planche. Hein.
Ah, c'est vrai qu'il y a... Il y a un peu. Mais bon, dans les placards, ça se verra pas. Mais oui. Putain, grave, je bouge beaucoup. Mais non, il sait rien. Bon. Allez. Je vous enlève tout. Pour mettre le... Bah là j'ai une pare-vapeur à mettre et puis il faut que je consolide mon cadre puis que le cadre je le fixe. Et après il faut que je mette le truc. Mais à la dernière minute en fait, pour que ça tienne. Ouais. Attention ta tête. Non, mais si tu peux juste m'aider à la plaquer. Ouais. Ah bon, la plaque. Et puis moi, de toute façon, bah là, après, je fais l'autre. L'autre, c'est pas grave, de toute façon, je me débrouille. Il y a un grand garçon, hein. L'autre, il n'y a pas de fenêtre, donc... Donc t'as pas de raison de pas y arriver. Hein. Non, mais l'autre, hein. T'es maligne, hein. Mais l'autre, tu peux pas la finir. Pourquoi? C'est la plaque marine, elle est à la maison. Et puis là, faut que je plaque en marine, après. C'est pas grave, on revient dimanche, s'il faut. Vous êtes fini? Samedi soir. Je pense pas. Si je rentre pas. Deux ans pour dormir sur le canapé, hein, que je rentre ou pas. Non mais t'arrêtes. Non mais je te jure, franchement, attends, je vais m'approcher parce que là, ils m'entendent pas, je pense. Vous croyez vraiment qu'il est malheureux? Il a vraiment l'air si malheureux que ça? Non, c'est pour m'entraîner dans le fourgon, vu que ça sera le canapé, le salon... Ouais, le... essaye de te rattraper, ouais. Tu vas vraiment y dormir dans le canapé, ça continue. Aïe, aïe, aïe. Regardez ce que j'ai failli oublier avant de plaquer. Oh, une prise. Bon ben, on va la mettre. À mettre là. En espérant que l'étanchéité va être bonne parce que la carrosserie est bombée. Et le seul endroit plat est ici. Et le seul endroit plat est dans le renfort où on n'a pas accès. Donc bon, on va mettre là et puis on verra pour l'étanchéité. On fera peut-être un petit joint. J'aime bien faire des petits joints. En plus, on ne me voit pas. C'est cool car je parle qu'on ne me voit pas. Hop, on me voit. On voit pas, si, on voit. Tiens, vous voyez.
Le trou est déjà rond, c'est bien. Ça m'a l'air pas mal. Le joint est bien écrasé. Bon, allez, je vais fignoler dedans. Et voilà, après avoir galéré avec ce cadre, bon, je l'ai refait deux fois, mais il faut pas le dire. Normalement, il est bon. Donc, je vais le fixer. Et puis, je vais pouvoir enfin plaquer à cet endroit-là. En mettant l'isolant que ma petite femme m'a préparé hier. Donc, voilà. Allez, je continue. Oh. C'est pas le même poids cela. C'est pas le même poids. Ça c'est les contreplaqués marins, je sais pas trop comment on appelle ça. Je connaissais pas, c'est les vadrouilleurs en fait. The Vadrouilleur Forever qui ont mis ça en extérieur donc pour fermer les vitres de leur bus. Et c'est vrai que c'est étanche tout, donc on peut s'en servir pour faire des caisses de camion, des caisses frigo. Et nous, en l'occurrence, ça ferme nos parois de salle de bain. Donc voilà. Mais c'est très lourd comparé des autres contreplaqués. Là, ça, c'est du 15 mm. Là, c'est du 14. Mais en poids, c'est presque du simple au double, quoi. C'est impressionnant. Mais bon, c'est très bien. C'est très bien. Il y a la chef qui m'appelle. Je vous laisse. Allô? Allô? Oui, je travaille. Ah mais oui, il faut que j'aille chercher ma fraiseuse. Parce que ceux-là, j'arrive pas à s'en fraiser. Je reviens, je vais me mouiller. Il est bon le mec. Hein. Putain. Une chance sur je ne sais combien de tomber sur la vis de derrière. Et j'y suis. J'aurais préféré gagner au loto. Hein. T'as encore un trou à boucher. Oh. Je vais en boucher des trous, je vais en boucher. Hein. Mais bon, ça te verra pas. C'est derrière le frigo. Du coup, bon, on bouchera quand même, mais c'est pas grave. Vous me voyez encore ou pas? Il fait un temps de Toussaint. Toussaint, ouais. Je crois que non, c'est vrai que je suis quand même en short. Mais bon, c'est fatigant. Fatigant. Je reviens, j'ai oublié le ciseau. Pour info, il est 14h. Il n'est pas 19h ou 20h. 14h. Et il pleut. Bon, bah aujourd'hui, c'est la porte latérale qu'on va plaquer. Selon moi, le plus chiant, je pense. Le plus chiant. Beaucoup de découpes arrondies, et puis... Puis je pense que c'est le plus chiant, ouais. On va voir ça. Bon. On va essayer d'y faire une demi-journée. Vous avez vu? Après deux heures
mesure, de coupe, de fignolage, je suis arrivé à ça. Donc les arrondis du haut, pas oui là, le trou de la fenêtre, le décoché en bas, et la poignée. 2 heures, bon, pas pressé encore. Allez, je vais isoler et puis on va placer ça, voir si tout va bien. Mais bon, j'ai triché un peu, j'ai déjà vérifié, tout va bien. Allez, c'est parti, on continue. Je vous montre le résultat de la porte latérale après 2 heures de prise de mesure et de coupe et ouais, bien 1 heure de pause entre le bas et le haut. Ouais, quand même. Bon, ouais, je vous montre, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Regardez. Après, bon, là, le cadre, on peut voir qu'il a chié un petit peu, le cadre. Mais bon, avec les baguettes, je vous l'aurais pas montré. Vous l'aurez pas su. Vous l'auriez pas su. Vous l'aurez. Voilà, on se retrouve dans le fourgon, du coup, pour vous montrer. Le plaquage est à 3/4 terminé, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez tout ça. Donc, déjà, les côtés. Donc, là, l'arrière du véhicule. Donc là, c'est où je vais avoir réservoir d'eau et puis sortie barbecue à l'extérieur, que je plaquerai par la suite. Du coup, ça va être le mur où il va avoir les lits superposés. La porte latérale. Après, il reste des finitions, hein, tout ce qui est baguette et puis habillé là, ici. C'est pour ça que je n'ai pas encore coupé le pare-vapeur, parce que là il va être fermé et là je vais encore avoir un petit contreplaqué qui va venir fermer tout ça pour que ça soit bien propre. Donc voilà pour ici le plafond. Du coup, l'avant véhicule, on l'a fait en 5 fois parce que du coup on a une pente, on a de l'autre côté pour arriver à garder le plus de hauteur possible toujours. Là, je suis en train de finir le rangement capucine. Du coup, rangement capucine, on a changé d'idée en route parce qu'à l'origine, donc j'avais projeté le liège comme vous pouvez voir ici et on devait mettre aussi une plaque de laine de bois plus du contreplaqué. Mais le problème, c'est qu'on perdait trop en fait. Du coup, on avait un rangement qui devenait ridicule. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recollé 1 cm de liège sur le liège projeté. Et là, après, il me reste à finir ici. Et après, je vais recouvrir donc d'un contreplaqué 5 mm pour avoir un beau rangement dans la capucine, on va dire. Donc voilà de l'autre côté. Là, c'est vrai que c'est pas encore fini parce que là, il y a un gros renfort qui va être coupé en travers. Ça sera dans les placards hauts. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis là, après, on arrive dans l'espace... salle de bain, du coup, avec le contreplaqué marine. Donc là, le plafond, le côté. Là, il dépasse là, mais ça sera derrière le frigo. Donc c'est pour ça que la salle de bain, elle s'arrête ici. Mais là, après, on aura le frigo. Donc j'ai laissé dépasser au lieu de faire une coupe. C'est pas grave, ça sera caché, ça se voit pas. Et puis là, après, il me restera à fermer parce que là, les portes, elles vont être condamnées. Donc là, il y aura encore une plaque de contreplaqué marine. Une plaque ici pour le pied des lits superposés. Et voilà le plafond. Donc à quoi ça ressemble. Les jointures sont pas catastrophiques. Il y a un petit coup de ponçage à donner. Et puis voilà, un petit coup de peinture aussi quand on sera à la déco. Ça, la chef, elle s'en occupera. Voilà le résultat. Bon, ben moi je vais continuer avec la capucine et puis après je vais commencer à monter. Donc... les lits superposés, quoi, l'espace lit pour pouvoir placer l'eau, pour pouvoir placer plein de choses, et puis tous les autres meubles. Allez, je continue. Couillouille. Il fait une couillouille.
À table! Il va m'arriver une grosse couille, chiant, dans la journée, parce que ça marche trop bien, là. Une grosse, grosse couille. On verra. On verra ça ensemble. Mais j'ai plus de batterie. Et j'ai plus de place sur la carte mémoire. C'est quoi cette connerie de merde ?